Eh bien bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit test d'un stabilisateur. Alors, c'est le frangin qui me l'a prêté. Vous aurez le lien de sa chaîne dans la description. Lui, il l'a testé un peu plus que moi, hein. Moi, j'ai fait un petit test assez rapide, mais vous pourrez voir ce que ça donne. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description et le lien de sa vidéo où il a fait le test complet du Zhiyun Smooth Q. Comme ça, si vous voulez le voir. Moi, j'ai fait un petit test assez rapide, mais qui va vraiment représenter comment il fonctionne quand même, surtout en vidéo. Alors, c'est livré, comme d'hab, hein, je fais mon petit blabla vite fait, je recommence, hein, c'est la reprise. Alors, dans la description, vous avez toujours le lien pour faire un don au Lutin du Phénix. Si vous voulez les aider, il y a le lien direct. Si vous faites des achats sur Amazon, si vous passez par mon lien, c'est très gentil, ça me permettra d'acheter des produits sur Amazon et de vous les tester. Il y a tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., etc. Et il y a aussi le podcast du vendredi, tous les vendredis, le Zap High Tech 21h. C'est aussi en podcast pour ceux que ça intéresse. C'est aussi bien sur Android que sur iOS. Voilà, vous regardez, tout est dans la description, il y a juste à regarder. Abonnez-vous, ça fera plaisir. Plus il y a d'abonnés, mieux ce sera. Voilà, alors c'est ça. On dirait un flingue, c'en est pas un. C'est livré dans une petite coque un peu rigide, qui est pas mal. Bon, à la base, il y a aussi deux petites accroches avec une sangle, mais là, le frangin, il ne les avait pas. C'est livré aussi avec cette petite sangle qui permet de l'accrocher en bandoulière, hein. Sinon, là, c'est assez solide. Ensuite, on ouvre cette petite boîte. Dedans, bon, déjà, il y a un câble. Pour recharger ce produit, parce que c'est un produit qui a une batterie, hein. Il faudra le recharger, c'est en micro USB, voilà. Et ensuite, voilà l'engin. Alors, je vais pas vous donner tous les détails techniques et tout. Allez voir la vidéo du frangin, il a dû en dire plus que moi si ça vous intéresse vraiment ce produit. Moi, je vous mettrai à la fin des vidéos faites avec le Willy Fox Swift 2X sans stabilisateur et avec. Comme ça, vous verrez la différence, quoi. Ou sinon, je crois que ça accepte jusqu'au, ouais, c'est sûr même, jusqu'au 6 pouces. Hein. Il y a une petite mâchoire ici qui permet de mettre le téléphone jusqu'à 6 pouces. Assez balèze, hein, ça tient bien. Avec du caoutchouc, ça protège bien le téléphone, pas de risque de le rayer, rien du tout. Ici, il y a une petite vis. Alors, quand vous avez un plus grand téléphone, il faut dévisser cette petite vis. Vous pouvez agrandir. Hop, je vais vous montrer, agrandir, rapetissir, hein, voilà. Ça a l'air assez costaud et tout, franchement c'est propre quoi. Voilà. Je l'ai testé assez rapidement, hein. J'ai pas fait un test de 15 heures quoi. Sur le côté ici, on recharge en micro USB. Après, ils ont pensé à mettre ici une petite trappe qui est protégée celle-là. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas protégé celle-là quand même. Mais là, il y a une petite trappe qui est protégée qui permettra de recharger votre smartphone. C'est bien. Seulement, le petit problème, c'est que quand vous mettez le téléphone à l'intérieur, je vais vous montrer, hein, le téléphone vient se placer ici comme ça. Voilà, il vient se placer ici comme ça et automatiquement, vous n'avez plus accès à la recharge. Petit problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudra bien penser à bien charger votre téléphone avant pour vous servir de ça. Autonomie, je crois que c'est entre 8 et 12 heures, c'est ce que j'ai vu, hein. Le poids 440 grammes, ça a l'air moins lourd. Ça a l'air moins lourd. Ensuite, j'ai pas testé ça par contre, mais il y aurait une fonction avec iOS seulement, une application qui permettrait de faire un tracking, c'est-à-dire de cliquer sur une personne et ça irait se mettre directement sur lui. Ça, j'ai pas testé. J'ai testé avec le Willy Fox, c'est tout, hein, vu que c'est le téléphone que j'utilise vraiment en ce moment. Voilà. Ensuite, devant. Alors, il y a un bouton ici qui se va vers le haut et vers la gauche. Ça permet de faire tourner. Hein. Je vous ai montré un peu dans la vidéo, vers le haut, vers le bas. Après, il y a un bouton mode, là, on appuie dessus, puis on peut faire vers la gauche, vers la droite. C'est pas mal. Je trouve que vers la gauche, vers la droite, c'est un peu trop rapide. Après, il y a moyen, il faut peut-être une histoire d'habitude pour aller un petit peu plus doucement, quoi. Ensuite, sur iOS, il y aurait une possibilité de zoomer aussi, mais à ce que j'ai compris, c'est un peu saccadé. Et après, il y a juste le bouton ici, on-off, et c'est tout, quoi. Voilà. Disons que je vais vous mettre la vidéo. Le prix, j'essaierai, je vais regarder si. Parce que j'ai vu qu'il n'est pas cher chez Gearbest. J'essaierai de vous mettre un lien Gearbest, si j'en trouve un. Un lien Gearbest, et j'essaierai de vous mettre un lien sur Amazon ou autre chose, je ne sais pas, on verra.
Ou sinon, regardez, je vous ai mis 4 vidéos, caméra avant, caméra arrière, une fois sans stabilisateur, une fois avec, comme ça vous verrez ce que ça donne, quoi. Voilà, c'est un petit produit sympa, je crois qu'il l'a payé 150 balles, mais je crois qu'aujourd'hui on le trouve à moins de 100 euros. Je vous regarderai ça sur Gearbest, si j'ai le lien, je vous le mettrai. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ce lien aussi, si vous achetez sur Gearbest ce produit-là, il y aura un petit truc qui me revient aussi, parce que j'ai fait aussi un truc affiliation chez Gearbest. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Regardez les vidéos à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à vous abonner, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, faites tourner, hein, partagez à gauche, à droite. Le partage, c'est la vie, je le dis assez souvent. Et plus il y aura de partage, etc., plus il y aura de gens qui vont connaître la chaîne. Plus il y a de gens qui connaîtront la chaîne, plus j'arriverai à avoir des produits, etc. C'est le schmilblick, il est comme ça, quoi. En tout cas, merci à tout le monde. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas, dans la description, tous les liens pour me retrouver, tous les liens pour Amazon, les lutins du Phénix, etc., etc. Merci à tout le monde. Vous êtes top. Allez, bisous. À bientôt. Bon, voilà, on fait un test avec le Willifox sans le stabilisateur, en marchant, hein, normalement. Je tiens juste dans la main. En marchant, on va aller jusqu'en haut. En marchant normalement, hein. On va faire caméra avant, caméra arrière. Là, c'est le Willifox Swift 2X, caméra arrière, sans stabilisateur. Voilà. Bon, voilà, on refait le test caméra arrière, c'est toujours le Willifox, mais là, avec le stabilisateur, on va voir ce que ça donne. Toujours pareil, hein, je fais la petite marche, tranquille, sans courir, hein, en marchant. On va faire caméra arrière et après on fera caméra avant. Voilà. Ensuite, je peux vous montrer, il y a deux. Je peux faire deux choses. C'est vers le haut. Vers le bas. Après, il y a un autre mode. C'est vers la droite. Et vers la gauche. Et après, on peut aller plus doucement. Pour. Comme ça. Voilà. Hop. Dans l'autre sens. Voilà. Willifox Swift 2X. Caméra avant. Sans stabilisateur. Toujours pareil, je le tiens en main. En marchant. Voir ce que ça donne. Et après, ce sera avec le stabilisateur. Alors la marque, je crois que c'est Zhiyun Smooth Q. Si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. A tout de suite. Bon, bah, on fait la même chose. Caméra avant, avec le Willifox Swift 2X et le stabilisateur. On va voir ce que ça donne. En marchant, tranquillement. On va voir ce que ça récolte. Vous me direz en vidéo ce que vous en pensez. Voilà, voilà. En tout cas, bisous à tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et le partage, c'est la vie. Allez, bisous à tout le monde.